Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 8. Alors nous sommes à Gap et on va rejoindre aujourd'hui le pic de Chavance par la Brèche. Et ensuite on va naviguer à l'intérieur pour chercher 2-3 cols, pic de Glaise et également col de Glaise, etc. Et on reviendra par le même chemin. Donc ça va être une belle sortie, il fait un temps magnifique. Il fait même bon, il fait même chaud. Donc ça va être un bon régal. Distance, je sais pas. J'irai 20-25 à mon avis, pareil. Et puis un bon gros 2000. Physiquement, ça va pas trop mal. On verra ça tout à l'heure. Mais les sensations m'ont l'air pas trop mauvaises. Et bien je vous dis tout à l'heure dans la montée. Ok, donc là on est parti dans l'ascension du pic de Chavance. Donc c'est une montée assez régulière qui va ensuite devenir assez cache. C'est super sympa. On a l'abri, il fait bon, c'est cool. Allez, on est sur la fin. Là, ça fait le plus mal. Il fait très chaud. Ouh. Donc là on va monter au pic de Chavance et on reviendra tout à l'heure par là, on va descendre, voilà, faire le col qui est là, descendre, pic de Glaise et revenir par là, à le menu du jour. Avec un petit café là dans le canapé Netflix.
suis mort. Bon, on va arriver au col. Ouais, le chemin a fait mal. Long chemin pour traverser la vallée. Wow. Col de Chabanaute. Là, je vous raconte pas, peur du vide, s'abstenir. Ouh là là là. On va longer la falaise, je pense jusqu'aux arbres là-bas. Après, j'aimerais bien qu'on attaque la montée. Je serais plus rassuré. Oh, la neige. Oh, il manquait plus que ça. Voilà, pic de l'aiguille, pic de glière, c'est fait. Et ben, ça a été terrible. Heureusement que j'ai pas filmé, ma femme m'aurait tué. Bon allez, faut redescendre le col maintenant. Kilomètre 28. Bon, pic des glissières. Oh. Avant-dernier col. Oh là là. Il nous reste la bosse là. Et on descend. Ouf. Ouh ouh ouh. Voilà, j'aurais fait tout le tour. Hein. Tac, 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 tac. Par derrière, pique. Oh là 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 là. Et voilà, c'est ici que s'arrête le tour du Gapençais. On va attaquer la descente. Hein. Je ferai le petit compte rendu qui va bien en bas, mais je ne vais pas filmer parce qu'il est assez tard. Donc je vais me dépêcher, mais puis les jambes sont bien raides.
Donc là, on est déjà à 34 km, donc il y a encore du boulot. Allez, c'est parti, tout à l'heure. Eh bien les amis, voilà, c'est terminé, nous voici arrivés au van. 8h, 18 d'effort, 44 km, 3027 des plus. C'était éreintant, c'était pas prévu, mais bon, j'avais l'envie aujourd'hui de faire une grosse sortie. C'était très 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 technique, et donc je suis très heureux. Allez, à bientôt les amis, ciao.